crème rêvée pour ceux qui aiment avoir l'air soigné, élégant et raffiné. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui plus tard que d'habitude puisque c'est une vidéo que je fais avec Mimi. Je dis je prépare, j'ai pas préparé, enfin oui j'ai préparé mais... C'est une vidéo qu'on aime bien faire ensemble avec Mimi et qu'on avait prévu de faire de toute façon chacune de notre côté, c'est-à-dire vous présenter un nos recommandations au sujet du VIB Sale qui aura lieu à partir du 14 avril et notre wishlist. Ma wishlist est exponentielle, mais c'est pas juste ça. Il faudrait aussi que vous me disiez ce que je devrais mettre dedans. J'attends quelques suggestions de votre part. Si jamais ça vous intéresse de me partager vos coups de cœur, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et je ne présente plus Mimi. Mimi qui inspire toutes mes vidéos de par sa profession, de son... Tu vois ça, elle y arrive, ça, elle y arriverait, elle. Son professionnalisme et sa gentillesse et sa bienveillance. Mimi, c'est une inspiration, vraiment. Genre tout ce qu'elle porte, j'ai envie de le porter. Tous ses rouges à lèvres sont toujours super beaux. Ses recommandations au visage sont toujours super... Je ne mentirai pas, il y a énormément d'achats que j'ai fait dans le passé à cause d'elle. Donc si vous cherchez une autre personne qui a des goûts plutôt complémentaires aux miens, qui aime les choses sophistiquées, bonne mine et tout ça, je vous recommande d'aller voir Mimi qui publie 2 fois par semaine, si je n'oublie pas. J'ai déjà du mal avec moi même à imaginer. Et comme ça vous fait encore plus de contenu beauté. Si vous trouvez qu'il manque de contenu beauté sur YouTube, c'est la chaîne qu'il vous faut. Sinon elle est bien sûr active sur Instagram. Est-ce que t'es sur TikTok? Je ne sais pas puisque moi j'y suis pas, mais Instagram est tout le temps là et vous pouvez lui parler sur toutes et regarder ses suggestions sur plusieurs plateformes en même temps, pas comme moi qui déserte tout sauf YouTube. Donc j'ai hâte de voir la vidéo de Mimi, vous pouvez la voir, on l'a publiée en même temps et je mets bien sûr le nom de sa chaîne, le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, on commence. J'ai 5 petites suggestions pour vous, je me suis dit j'allais faire ça vite parce que c'est pas vraiment la partie la plus intéressante, la partie la plus intéressante je trouve c'est qu'est-ce qu'elle a mis dans son panier. Pour moi, puisque si on suit quelqu'un depuis longtemps, on connaît un petit peu les produits phares de cette personne là, il va sans dire que bon, j'aurais peut-être mis un prix de pote dans ma liste, mais je me suis gardée à 5 produits que j'aimerais vous suggérer et ensuite de ça on passera à mon panier qui est fictif mais ô combien plein à ce stade du mois. Ils ont fait l'annonce du VIB Sale il y a bien trop longtemps, je suis en stand-by depuis, ok. Donc, passons à mes suggestions. Je vais commencer par un produit que je n'ai plus avec moi et que je trouve fantastique. Alors, si vous n'êtes pas familier avec le VIB Sale et que vous habitez au Canada ou aux States, vous avez jusqu'à 20% de rabais pour vos commandes sur votre panier. J'avais dit que vous n'êtes pas là pour professionnalisme, ok. Donc vous avez moins 20% si vous êtes VIB rouge, aka si vous avez dépensé 1000 balles l'année dernière. Sinon c'est 15% ou 10% dépendamment de votre tiers chez Sephora. Nous avons ce genre d'événement 2 fois par an, pochon non inclus. Et voilà, nous profitons de ces 20% quand nous on voit que vous avez moins 25% tous les 2 mois. Tous les 2 mois, tous les 3 mois en France. Et on est un petit peu jaloux. Mais pour nous, c'est le moment de remplir nos paniers et d'acheter tout ce qui nous est envie à moins 20%. Donc, mes suggestions, c'est la suite. J'y viens. Je vais le mettre ici, la photo. C'est le seul produit skincare dont je vais vous parler en termes de suggestions, puisque je ne suis pas
pro du skincare, mais j'aime tout ce qui est couleur et tout, donc après ça on va s'amuser, ok. La vitamine C de Drunk Elephant est pour moi la vitamine C qui fonctionne le mieux. Ma peau est prône à faire des taches assez rapidement lorsque j'ai un bouton ou quoi, ça fait une tache. Et c'est la seule vitamine C qui fonctionne le plus rapidement sur moi et avec laquelle je vois des effets. Alors certes elle a un prix important, mais si je dois compter toutes les vitamines C que j'ai essayé et faire le montant, c'est quand même moins cher que celle-ci qui va être à moins 20%. Donc je recommande la vitamine C de Junk Elephant qui est celle qui fonctionne le mieux pour moi. Après nous sommes tous différents. Ensuite, autre suggestion, j'ai découvert ce produit de chez MAC il y a peu de temps. Et alors pour que je vous fasse une suggestion, c'est que vraiment le produit m'a surpris. Ça s'appelle les Locked Kiss Ink. Et comment vous dire, je l'ai essayé hein, il n'y a pas très très longtemps. C'est comme un rouge à lèvres mat, mais avec le fini d'une encre à lèvres. Donc on sent pas du tout le produit sur les lèvres et ça donne un effet mais vraiment velouté, super joli et opaque. Je vous cacherai pas que j'ai envie d'acheter d'autres teintes parce que j'ai été extrêmement impressionnée par ce produit là. Moi j'ai la teinte qui s'appelle Gutsy, ça tient super longtemps, ça n'assèche pas. Et vraiment l'effet velours est très présent, c'est vraiment super beau. Super joli. Donc ça, et j'ai un autre produit de MAC. On a un MAC dans nos Sephora aussi depuis peu. Le MAC Stack, le mascara que j'ai mis aujourd'hui, c'est le mascara fossile pour moi. Quand je le mets, j'ai pas besoin ni envie de mettre de fossile. Ça, pour moi, ça a une ressemblance avec mon mascara préféré de tous les temps, le By Beauty, qui n'existe plus puisque la marque n'existe plus. C'est un dupe parfait pour moi. La seule différence, c'est la brosse. Et celui-là, c'est juste le mini que j'ai. Hein. Mais si vous voulez essayer un nouveau mascara, alors je sais qu'il a fait le buzz quand, l'année dernière ou l'année d'avant. J'arrive à la fin. Okay, j'arrive à la fin du buzz. Je l'ai eu en échantillon. Je me suis dit, je vais essayer, je vais voir si le buzz est vraiment vrai. Et oui oui, je vous recommande ça à 200%. Ensuite, j'ai mis ce bronzer dans ma rotation de ce mois-ci et je voulais vous en parler parce que c'est un produit assez nouveau. C'est le produit de Laura Mercier. Alors je sais qu'elle avait sorti les blushs l'année dernière ou l'année d'avant dans la même gamme que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est comme des blushs sérum mais bien teintés et pas trop gras et c'est vraiment hyper facile à mettre et très joli. Je pense que ma couleur préférée c'est Corsica si je ne m'abuse. Et j'ai découvert ça cette année et j'ai pris la couleur Sunlight. Pour moi je pense qu'il y a 4 ou 5 couleurs, même principe, ça se met comme une crème teintée, c'est comme un sérum et j'aime vraiment beaucoup, c'est facile à appliquer, ça tient longtemps, c'est pas gras et ça donne un joli haul à la peau. Donc ça, voilà, j'ai pas mis tout ça, je l'ai mis avec Gucci. À ce stade je sais pas si je peux vous suggérer un produit comme ça de Gucci, un bronzer, je ne suis pas sûre, ok. Donc ça, et autre produit genre passe-partout, je le mets parce que je l'ai acheté deux fois, c'est le Anastasia Brow Freeze, qui est mon gel à sourcils que j'aime vraiment beaucoup. Très efficace, ne laisse pas de traces blanches ou poudreuses ou pelliculeuses. Tient hyper longtemps, vraiment c'est un excellent produit que je rachèterai. J'aimerais essayer le Patrick Ta à un moment donné, quand lui va être terminé j'aimerais essayer le Patrick Ta, mais il me semble que je garderai, non je vais pas le garder en backup parce qu'il y en a certains ils finissent par être tout blanc avec le temps. Que Dieu m'en garde, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est une éventualité. Donc ça, ça serait genre le produit. S'il n'y avait pas le Patrick Ta à essayer, je pense que c'est le produit que j'achèterais au fur et à mesure. Pas au fur et à mesure. À chaque fois qu'un est fini, j'en rachète un autre. Un must. J'ai aussi un autre produit à vous suggérer. Mais je vais vous en parler parce que je vais acheter une nouvelle teinte. Ok. Donc, voici ma wishlist. Êtes-vous prêts? J'espère. Je me mets comme ça et je vous mets les photos ici.
J'ai vu à ma grande surprise et à mon grand bonheur que les highlighters de Guerlain sont arrivés chez Sephora Canada pile poil pour le VIB sale. Donc il y a deux couleurs, un gold et un rose. Je pensais que le rose était plus rose gold, mais en fait il est rose pâle. Du coup j'ai mis le gold dans ma wishlist parce que ça m'a l'air trop joli. Donc, et quelqu'un qui m'a dit que c'était bien, Joël m'a dit que c'était bien. Donc j'ai mis ça. J'ai aussi mis un blush de Rare Beauty qui s'appelle Love, et j'en ai mis un autre, un des nouveaux qui s'appelle Virtue, qui est comme un terracotta orangé. Le Love, ça fait longtemps que je le veux. Et est-ce que c'est le nouveau? Attendez, parce que oui, c'est ça. Ça, c'est un vieux. Love est un vieux et il était tout le temps sold out. Et il m'intriguait de par sa couleur. Parce que c'était comme un orange brûlé. Et je voulais essayer ce produit-là. Et j'ai mis l'autre, le Virtue, qui est vraiment un terracotta, comme un beige. Un beige foncé. C'est entre un blush et un bronzer. Et ça m'a intriguée. Je vois qu'il est encore disponible. Donc ça m'intéresse énormément. J'aime vraiment beaucoup leur blush et Rare Beauty. Ensuite, ça c'est une suggestion. C'est pas une suggestion, c'est un produit que j'ai vu sur la chaîne de Angelica. Et elle le mettait pour enlever le frisottis de ses cheveux. Ça s'appelle le Color Wow 1 Minute Transformation Anti-Frizz Styling Cream. Pourquoi? Je sais pas si ça va être utile maintenant. Peut-être que je devrais attendre, puisque combien il coûte? 24$. C'est pas... Regarde, je vais l'enlever pour le moment parce que j'ai encore du styling cream Bumble and Bumble et j'en ai un backup de ça. Celui-là, je l'ai acheté, je pense, 5 fois. Ça fait partie de mes suggestions de chaque année. C'est une BB Grooming Cream. Et ce que ça fait, c'est... Je m'en suis servi en fait pour plaquer mes cheveux. Mais l'avantage, c'est que c'est pas un gel. Ça fait pas crunchy dans les cheveux. Et ça lisse et ça fait briller plus ou moins le cheveu. Et je sais pas, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce produit-là. Et du coup, si j'achète... Est-ce que ça fait la même chose? Non. Peut-être que je vais prendre l'autre aussi. Je vais prendre l'autre aussi, ça fait pas du tout la même affaire. En fait, l'autre c'est un anti-frisouille. Et lui c'est écrit la crème rêvée pour ceux qui aiment avoir l'air soigné, élégant et raffiné. Et qui déteste y passer du temps. Bref. Est-ce que j'ai du noir sur les lèvres, sur les dents? Non. Ça va. Bref, je vais prendre le color wow. Allez. Ensuite, Tarte a sorti, vous savez, c'est comment on appelle ça? C'est dupe de Charlotte Tilbury là, avec un lambeau mousse. Il y a le highlighter, bronzer et blush. Je vais prendre un de chaque. J'ai envie de prendre un de chaque parce que je veux savoir ce qui c'est bien. J'ai jamais été déçue vraiment par les produits teints de Tarte. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient dit qu'ils allaient sortir une quatrième couleur qui était comme un peu plus pop. Je le vois pas ici, mais je mets dans ma liste la couleur peach. Sinon, il y a berry et sinon, il y a pink. Pink, non. Peach. Peach, ça a l'air beau. Berry, non. Et rose, c'est trop pâle pour moi. Donc, je mets peach dans ma liste. Et je mets le highlighter qui s'appelle Pearl Glow et le bronzer qui s'appelle Warm Bronze dans ma liste. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un petit kit de crème solaire de Supergoop, un kit de mini. Alors je me dis que ça serait pratique pour voyager. Et dedans, vous avez la crème solaire sans glow, parce qu'il y en a une avec un glow, il y en a une sans glow, il y en a une matte, il me semble bien. Donc il y a celle-là, il y a la glow et il y a la plaie dans cette petite trousse. Et du coup je vais prendre les trois. Le Supergoop sunscreen glow... What? Le Supergoop glow screen. Vous savez, si vous êtes là depuis longtemps et si vous ne l'êtes pas, bienvenue premièrement. Et je vous apprends que c'est ma crème solaire
de prédilection, celle que j'aime depuis longtemps et que j'achète. Je suis très difficile en crème solaire, c'est-à-dire que ça me fait des boutons, ça me donne de la texture ou ça marche pas. Ou ça laisse un filtre blanc. Les super groupes ne font pas ça du tout sur moi, donc pour moi c'est sûr que je vais prendre cette crème là et ça me fait plaisir qu'il ait sorti un petit kit de voyage. Parlant de petits kits, j'ai vu que Sephora Favorite avait des nouveaux petits sets. Vous savez, ils mettent plusieurs produits dans un kit et ils vous le vendent pour moins cher. Et dans ce kit, il y a un gloss de Lawless, Forget the Filler, que j'adore. Il y a un rouge à lèvres de Gwen Stefani, la marque Gz, Give. Il y a le mascara que je voulais tester de Tower 28. Et il y a une crème pour le corps, mais genre utilisation unique pour moi. Et puis un blush entre autres, mais il y avait un parfum et une crème pour le visage, de l'acide hyaluronique. Il y a aussi un blush de... Il y a un nom dessus, je vois pas c'est écrit. Un blush rose ink, voilà. Et le kit coûte 45$. S'il est disponible, je le prends direct parce que tout m'intéresse dedans. Voilà, à part la crème pour le corps, bon, je sais pas trop vraiment à quoi m'attendre, mais le kit a l'air vraiment très sympa. Donc ça, pour moi, déjà qu'il est pas cher, si en plus de ça il est soldé à moins 20%, je trouve que ça vaut vraiment la peine. J'ai vu qu'il y en avait un autre qui était sorti, mais était moins intéressant pour moi. Ensuite, j'ai découvert que First Aid Beauty avait des petits pads de BHA et AHA pour frotter sur les endroits où vous êtes fraîchement rasé pour éviter les poils incarnés. Voilà, c'est ça. Et ça fonctionne partout. Je vois qu'il y a 26 ou 28. Je pense que je vais prendre le 28 pour essayer pour la première fois. Puisque le 60, si j'aime pas, je suis pas sûre. Donc j'avais mis le 60, mais je vais prendre le 28 pour tester. Et si ça pouvait m'éviter de ne faire pas de laser. Non, arrêtez avec cette histoire. si ça pouvait éviter, voilà. Ensuite, Urban Decay. Je sais, vous êtes surpris. Je sais que vous êtes surpris de trouver de Urban Decay dans ma liste. Mais vous savez que récemment, ils ont sorti des eyeliners de couleurs assez intelligentes. Intéressantes. Ça s'appelle les 24/7 Inks Vegan Liquid Eyeliner Pen. Et il y en a plusieurs à l'intérieur. Et ce que je savais pas et ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y avait certains de ces liners qui étaient métalliques. Et là, j'en ai mis un dans mon panier qui a l'air super joli, qui s'appelle Oil Slick et qui est un shimmer irisé, mais couleur gunmetal. C'est comme une espèce de gris brun, mais irisé. Ça peut être super intéressant. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui étaient irisés. Genre, il y en avait un bleu royal. Et il y en avait aussi un teal, une couleur comme bleu ou vert canard. Bleu vert canard. Je trouvais ça vraiment très intéressant parce que ça c'est une subtilité que je n'avais pas lue au moment de la présentation du produit. Donc je vais prendre ça. Ensuite, j'ai mis à Epic Kiss Nourishing Vegan Butter Lipstick parce qu'ils étaient à 14,50 sur... Ils sont soldés. Et j'ai pris la couleur Zin Queen, qui est un espèce de brun. Ça fait longtemps qu'il traîne dans mon panier. Je me suis dit, le jour où je passerai une commande, je vais le prendre. C'est pas du tout nouveau, c'est soldé. J'aime vraiment beaucoup la texture de ces rouges à lèvres de KVD. Si jamais vous ne voulez pas tester et que vous vous demandez si c'est un bon produit, vous avez mon approbation. D'ailleurs, je l'ai acheté à cause de Mimi. Voilà. Je ne vous cache rien. Ensuite, je vais tester un lip oil de Rare Beauty, couleur Honesty. Je vois qu'il est encore disponible ici. Parce que le jour où il est sorti, le jour où il n'y avait déjà plus rien. Donc je vais mettre ça dans ma liste. J'ai hâte de savoir si Mimi les a déjà testés ou s'ils sont déjà dans sa liste ou pas. Je file voir sa vidéo par la suite. Ensuite, je veux tester
mon premier produit de Freck Beauty. Ils ont sorti des tout petits bronzers et j'ai mis la couleur medium tan. Ça aussi, c'est le genre de produit qui est arrivé sur Sephora, il est disparu, il est revenu. Donc je prends ça. J'avais très envie de me reprendre une nouvelle teinte des blushs de Danessa Myricks. J'en ai pris une quand c'est sorti et j'ai vraiment beaucoup aimé le fini. Et là du coup j'ai mis la couleur Jubilee dans ma liste, qui est un espèce de, alors, soft terracotta. Et je pense que la couleur que j'avais mis, que j'avais prise, c'était Prima Donna, si vous me demandez, qui est un espèce de fuchsia vraiment pétant. C'est une magnifique couleur, donc je vais prendre Jubilee. Makeup by Mario a sorti des Moisture Glow Plumping Lip Color. J'ai hésité à en prendre deux, mais vaut mieux que je commence avec un seul. Et je suis vraiment très intriguée parce que les swatchs ont l'air magnifiques. Et du coup, j'ai pris, j'ai choisi. Justement, je dis j'ai pris, mais j'ai rien pris du tout encore. On fera un haul au retour d'achat si ça vous intéresse de voir ce que j'ai pris au final. Du coup, j'ai pris Mocha Raisin. Le nom est horrible. Imagine le mix des deux ensemble. Ça me rappelle les glaces rhum raisin. Est-ce que ça vous a pas fait déjà l'ascenseur émotif? Tu penses que ça va être genre vanille chocolat, puisque c'est plus ou moins la même couleur, et tu tombes sur rhum raisin? Non. Ça devrait être interdit, ça. Et du coup, la couleur, la description de la couleur, c'est Deep Neutral Brown. J'ai pas pris d'orange. Il y en a un qui est comme... Il n'y a pas d'orange. En fait, il y en a un qui est comme au rouge chaud. Je me suis dit, non, cette année, je change un peu. Jusqu'à quand? Si je prends pas orange, je prends brun, neutre ou terracotta ou fuchsia. Ensuite, ça c'est une suggestion de Mimi de son retour de voyage en Floride. Elle avait ramené le Tula Skincare Rose Glow plus Get It Cooling Brightening Eye Balm. Il y en avait deux, un bleu et un rose. J'ai décidé de prendre le rose. Je ne l'ai pas encore pris. J'ai choisi de mettre le rose dans ma liste puisque j'arrive à mon dernier crème contour, à ma dernière crème contour des yeux, et il me fallait un backup de toute façon, donc pourquoi pas celle-ci. Elle m'a vendu du rêve, Mimi. Et j'ai vu que Lawless avait sorti des nouvelles couleurs de Forget the Filler. Alors ça, si vous avez accès à Lawless et que vous voulez tester Forget the Filler, les baumes, les lip, comment ça s'appelle, lip plumper gloss, c'était le meilleur gloss de 2022 pour moi. Vraiment, ça efface les lignes, c'est super juicy, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien, c'est juste trop beau. Il y a un petit tingling, un petit picotement super agréable. Je vous recommande. Ils en ont sorti un qui est comme dans les violets, et du coup j'ai peur parce que est-ce que ça va être beau sur moi ou pas. Après ça, j'ai vu Angelica, elle a suggéré la couleur Cherry Vanilla, qui est comme plus rouge. Peut-être que ça serait mieux. Il y a deux secondes, j'ai dit que je ne mettrais plus de rouge-orange, mais c'est pas grave. Du coup, je pense que je vais prendre le rouge plus que le violet. Ça va être plus beau sur ma teinte. Parce qu'il suffit que le violet soit un peu trop froid, que je puisse pas le porter assez souvent. Souvent. C'est relatif, mais genre le porter et que ce soit beau tout de suite, ça je veux dire. Donc lui, je vais le mettre, je vais le retourner, le Violet Blossom Bloom, je vais le retourner dans ma wishlist. Voilà. Et je vais garder Cherry Vanilla à la place. Ensuite, j'avais entendu parler de ce produit, j'avais jamais entendu parler de ce produit avant la semaine dernière, quand j'ai vu un Shop My Stash, celui de, comment elle s'appelle, Lauren May Beauty. Et elle parlait du Master Crystal Reflector de Makeup by Mario. J'avais jamais entendu parler de ce produit là, je sais pas pourquoi. Et du coup j'ai mis la couleur Bronzite ou Bronzite dans mon panier, ça m'intriguait. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé? Est-ce que vous me recommandez ou pas? Il paraît que c'est pailleté, genre c'est pas quelque chose de soft et distingué, hein. C'est plus ce genre. Mais après je me dis, si c'est Makeup by Mario, ça peut être comme des paillettes chic, des paillettes glam.
Je ne sais pas. Vous me direz. Ça, c'est vous qui allez choisir, ok? Ah, puis c'est tout? Ok, bah c'est tout, mais c'est... J'avais aussi, dans ma ligne de mire, les color fix. Et ça, c'est grâce à l'une d'entre vous. Apparemment, ça fait tenir le fard à paupières super bien quand on a des fards très gras. Et du coup, je cherchais genre un bon fard à paupières pour ça, une bonne base. Et les color fix vont bientôt sortir en couleur nude, neutre. Il y a toute une gamme qui arrive. Là, je vois qu'elles sont, sur ces forums, mais elles ne sont pas disponibles. Si jamais ça l'est, je mettrai ça dans ma wishlist. Ainsi que le bronzer de Liz Beauty qui s'en va et qui revient. De chez Sephora. Genre, aussitôt il arrive, aussitôt il est sold out. Donc ça c'est dans ma liste. Voilà. Vous voulez savoir combien est estimé mon panier avant les taxes? Oui, parce qu'il faut ajouter 15% à ce prix. Hein. Les taxes ne sont pas incluses dans le prix. 674,50. Je vous invite à faire la conversion sur Google. Voilà. Voilà à quoi ressemble mon énorme panier. J'ai hâte de lire ce que vous me suggérez. Et j'ai hâte d'aller voir la vidéo de Mimi. Merci Mimi d'avoir fait cette collaboration avec moi. Je te fais d'énormes bisous. Que la force soit avec toi. Et je vous dis à tous à demain pour ce make-up. Bye.